Non. Sport de combat ou quoi? Parce que moi sinon on va là-bas, je pense que je suis un homme. Je quoi? Et là-bas. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que mon tout dernier clip Michetonneuse était disponible sur ma chaîne Mikalash Music, donc je vous mets le lien en description. Je compte sur vous pour me donner un maximum de force et de soutien. Et on va faire un petit truc, si je vois vous êtes vraiment chaud et que vous me lâchez, je sais pas, moi au moins 5000 likes sur le clip, je vous referai une vidéo piéger une Michetonneuse prochainement. On n'a pas se plaindre, on récolte que ce que l'on sème, t'auras jamais d'enfant, même si t'as bu beaucoup de sperme. Merci de m'avoir épargné de ça. J'économise mon seum, moi j'ai la chance d'avoir la bonne. Et putain, qu'est-ce que l'on sème. Salut l'équipe, c'est Mikalash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ce que je voulais faire à la base, c'était une petite expérience sociale. Je voulais tout simplement retirer de l'argent à un distributeur et où je voulais faire en fait semblant d'oublier mes billets pour voir si la personne derrière allait me les rendre ou allait essayer de se les garder. Donc en voulant faire cette vidéo, comme vous allez le voir après, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on est tout simplement tombé sur un sacré spécimen. On est tombé sur une personne très malhonnête et à mon avis à qui il manquait peut-être une case. De toute façon, inutile de vous en dire plus, vous allez voir ça par vous-même dans la vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like. Comme vous le savez, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour suivre toutes les futures vidéos. Sur ce, c'était Mikalash et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Y'a personne qui va retirer là. Y'a un mec, y'a un mec. Alors, retrait sans ticket. Retrait avec ticket. Achat service. Retrait choix billet. English, Dutch. Dutch. Ok. Donc moi ce que je voudrais, ce serait un retrait Oh, le délai est bientôt échoué. Il faut que je me dépêche. Un retrait sans ticket. Ah ouais, mais si je prends pas le ticket, genre. Je pense que c'est juste que je suis grave pressé. Ouais, c'est... t'inquiète frère, désolé. Je suis juste en train de d'essayer de retirer des sous. Tu veux jeter ? Non, c'est bon. C'est bon, t'inquiète. Ouais. Vas-y, merci. Non, parce que si je fais le retrait avec le ticket ou sans le ticket, c'est pas... Parce que le ticket, c'est... Il faut penser aux arbres et tout, la consommation, la pollution, l'amalgame, etc. Tu vois. Non, j'ai réfléchi à voix haute en fait. Bizarre, mec. Non, mais genre. Frère, avec ticket ou sans ticket? Je sais pas, ça va être tout ce que tu veux. Bah, vas-y, sans ticket, frère. Sans ticket. Retrait autre montant, 20€, 40€, 70€, 90€. Mais une heure là, frère. Je vais retirer combien? Tu veux que je te le fasse? Non, c'est bon, je le fais, je le fais. Sûr? Ouais, je le fais, c'est recul un peu, frère. C'est bon, on n'est pas recul. Ouais, mais tu mets 4 ans, je suis pressé, moi je travaille. Je fais vite, frère, je fais vite. Retrait autre montant. Ouais, mais... Ah, ok. Dépêche-toi. Ouais. C'est bon, Kevin, je lui devais genre... Je lui devais 4 ou 50 pour le kebab. Mais tu t'en fous, tu mets 10, hein. Non, c'est bon. Je vais pas retirer 10. Vas-y, c'est bon. Je fais retour, allez. C'est bon, vas-y. Attends, faut refaire maintenant. Tu m'as tout fait annuler, là. Vas-y, je remets. C'est bon. Frère, j'enchaîne. Vas-y. Carte. Hop. Veuillez patienter. Donc, on a dit retrait sans ticket. Vas-y, je vais mettre... 200, le code. C'est bon. Pas fou. Attends juste. Attends. Allô. Ouais. Ouais, non. Ouais, c'est bon. Vas-y, merci, bonne journée, frère. Ouais, non. Non, t'as vu, genre, c'est comment dire, c'est genre... Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il fait, moi, les billets ou pas? Moi, les billets. Je vais retourner pour voir. Ouais, non. Oh, frère! Au revoir, viens. Excuse-moi, frère. Je crois que j'ai retiré, j'ai oublié de prendre mes sous. Non, je vous ai appelé et tout, t'es parti au téléphone avec ton pote. Non, j'ai oublié de prendre. Je dois aller au travail et tout. J'ai oublié de prendre les sous, je crois, frère. Non, je te promets que non, je vais voir, peut-être que tu les as oubliés là-bas. Je regardais, ils sont pas sur le distributeur. Moi, j'ai retiré mes sous. Ouais, mais moi, j'ai retiré 200€ et ils sont plus sur le. T'es sûr, tu les as pas vus? Ils sont passés où? Je sais pas, parce que des fois, t'as vu quand tu les laisses, et ben ils se respirent dans la machine. C'est une sécurité. Bah je vais regarder, mais attends, viens voir avec moi frère, je sais pas, j'ai... Je peux pas, je dois travailler et tout, après mon patron va... T'es sûr t'as pas vu mes 200? Non, j'ai retiré en fait et je vais en... Coup de téléphone et... J'ai oublié de les prendre. Non, moi je pense que tu les as pris. Non, je les ai pas pris frère, je les ai pas. Tu fous moi là, tu m'accuses de voler et tout là? N'importe quoi. Non, vas-y, je suis pressé, je dois travailler, mon patron il va me tuer et tout. Vas-y, bah je vais aller voir. Non mais reste dans les parages frère. Pourquoi je travaille juste là, là. Ouais, c'est bon. C'est bon? Vas-y, je vais aller voir. Vas-y, tiens, mon gars. Mais je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je vais avec toi, mais vite alors. Non, mais vas-y, ouais, viens. Vite, allez, vas-y, vite. Je suis pressé là. Regarde, quand tu mets ta carte, ouais. Des fois, tu fais le faux code, il aspire. Ouais. Tu sors les billets, je te jure.
te jure, je crois que c'est ça. Moi j'ai l'impression que tu me les as pris, genre. Non, non, parce que moi aussi j'ai retiré 200. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah je vais re-retirer, vas-y, je vais. Je vais réessayer, frère. Vas-y, je vais mettre ma carte, je vais réessayer, mais pour moi les 200 euros ils sont sortis. Ouais, vas-y, moi je vais travailler et tout. Vas-y, réessaye. Bah vas-y, j'essaye, frère. J'essaye. Il me prend vraiment pour un con, lui. Il me prend vraiment pour un con, celui-là. Ah, il a commencé à me dire que la machine avait ravalé les billets, je sais pas quoi. Regarde, il est là-bas, il est là-bas. Attends, vas-y, on va le suivre. Vas-y, vas-y, suis-le, j'arrive, Il est là-bas. Mika, viens. J'ai les œufs. J'ai pris les œufs. Il est où? Il est là. C'est lui, non? Il a mis la capuche? Ouais. Il avait pas de capuche tout à l'heure, c'est lui, t'es sûr? Il s'est arrêté. Il sort les billets. Tu me viens? Quoi? Il fait un selfie avec tes billets, mec. Il fait quoi? Il fait une photo? C'est quoi? Avec la Porsche, genre? Avec la Porsche et les billets. Ah, bah, c'est quoi ça, mec? Vas-y, c'est quoi? Je pose les œufs ici. Cache-toi bien, je vais aller le voir. Cache-toi bien. Je vais le prendre par des tours comme ça, il se retourne pas. Cache-toi bien. C'est quoi? Voilà. Là, je prends le snap avec ma voiture. C'est ta voiture, ça? Ouais. Et ça, c'était sous? Ouais, j'ai sorti là tout à l'heure. T'es pas un peu un mytho, toi, par hasard? Tu me connais pas, pourquoi tu m'insultes de mytho? Mais t'es un mongolien, frère. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu prenais des selfies avec. Vas-y, on sort les clés. Je crois que je les ai perdus. Hein. Sors les clés? Je crois que je les ai perdus. Comment ça, tu les as perdus? Je sais pas, depuis tout à l'heure, je courais tout, peut-être, elles sont tombées. Hein. C'est comme les sous, frère. Les sous, tu vas les perdre, frère. Tu vas me les rendre et tu vas les perdre. C'est les miens. C'est mes sous, frère. C'est les miens. Ils ne prends pas pour un cave. J'ai retiré tout à l'heure derrière toi. T'as rien retiré du tout, frère. J'ai laissé les billets exprès pour voir s'il y avait un mec qui allait le prendre ou pas et tu les as pris. C'était fait exprès, frère. J'ai fait exprès de jouer le mongolien. Toi, tu fais exprès. Tu fais exprès pour essayer de me voler mes sous, là. Qu'est-ce que tu racontes, frère? J'essaie de me retourner le cerveau, là. C'est ta Porsche, là? Ouais. Toi, t'es soit un mythomane, soit t'as un problème, hein. Et je t'en veux pas, franchement. Je vais rester poli. Deux minutes. Bon, reste calme, c'est bon, reste calme. Tu vas me passer mes 200 euros, je te préviens. C'est pas tes 200 euros. Comment ça, c'est pas mes 200 euros? Prouve-le-moi. Oh, regarde, je vais t'expliquer. Déjà, j'ai fait exprès de laisser les 200 euros dans le distributeur pour voir si un mec allait les prendre ou pas. C'est moi, j'ai retiré, j'ai mis la carte. Écoute, rends pas fou. Écoute-moi. Je suis allé tout à l'heure, j'ai retiré, t'es venu direct derrière moi, t'as pris les sous, t'es parti, t'as même pas eu le temps de retirer, t'es resté. Deux secondes, t'es parti en courant. Parce que toi, tu mets une heure à retirer, tu fais. Frère, t'es un mythomane, gros. Déjà, tu me dis, ouais, je dois aller travailler, je sais pas quoi, je suis pressé. Je te retrouve 10 mètres plus loin en train de faire un selfie avec une Porsche qui est même pas la tienne et avec mes billets. Parce que je travaille là, je crois. Tu travailles là? Tu m'as pas dit, ouais, tu m'as dit, ouais. Je suis en retard, je sais pas quoi. Ouais, mais je crois que je travaille là, c'est bon. Tu travailles là de quoi? De où tu travailles là? Je dois vendre cette voiture, c'est mon travail. Tu dois vendre cette voiture? Parce que je prenais des photos pour les clients. C'est une auto-école, frère. Parce qu'il passe le permis sur cette voiture. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, t'es en train de t'enfoncer dans les mythos. T'es en train de me prendre la tête. Tu vas me faire péter les plombs. Je vais plus partir, moi. Non, tu vas rester ici. Même, j'ai même pas envie de rigoler avec toi, tu vois. J'ai juste envie de récupérer mes sous, en fait. De quoi? C'est bon, arrête. Prouve-moi que c'était sous. Je te dis que c'est mes sous, maintenant tu vas me les rendre. Il y avait combien? Il y avait 200 euros. C'est très mal, c'est mes sous. On va compter ça 200. Vas-y, compte, il y a combien? Vas-y, compte. Sors les billets. 50. 100, 105, 200. Je crois que j'ai retiré 200 aussi. Non, t'as rien retiré du tout. T'as pas eu le temps de retirer, c'est mes sous, frère. Je suis pas un débile. Tu vas voir sur mon compte maintenant. Tu veux que je te montre l'application? Tu veux que je sorte l'application? Je te mets tes 200 euros et tout. Tu me prouves, je te les rends, je te prends. Vas-y, regarde. Je vais te montrer. Attends, c'est. Voilà, les 200 euros. Maintenant, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, regarde, tu vas avoir deux solutions, frère. Je crois que tu me frappes. Soit, regarde. Je suis honnête et tout, mais c'est bon. T'es honnête de quoi, frère? C'est bon, tu vois 200 euros, tu les ramasses pas toi aussi? Frère, ça n'a rien à voir. Genre, c'est déjà, genre, je reviens vers toi, mec. Mec, le pire, c'est que je reviens vers toi, je te demande où sont mes sous, tu dis que tu les as pas alors que tu les as. Mais j'ai essayé de t'entourlouper, normal. Ah, t'as essayé de m'entourlouper? Bah oui. Et en plus, tu l'assumes? Bah normal, je vais pas nier les faits, tu m'as pris en flagrant délit. Hein? Sport de combat ou quoi? C'est parce que moi, sinon, on va là-bas, je pense que je suis un homme. Tu connais là-bas? Je pense que je suis chaud. Vas-y, viens. On va là-bas ou pas? Attends, tu me fais peur parce que t'as l'air chaud. Viens, on va là-bas. Y'a pas de chaud, pas chaud. Moi, je suis pas un surhomme, je suis même plus nul que toi peut-être, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Faut que tu me rends mes sous, on va là-bas. Bah, c'est quoi? Non, frère, vas-y. On va là-bas. Viens. Vas-y, viens, on va là-bas. Vas-y, viens. Hein? On va là-bas ou tu me rends mes sous, frère? Je te les rends, c'est moi, je te les rends. Vas-y, viens, on va quand même là-bas. C'est bon, je vais rien te faire. Viens, viens avec moi, viens. Viens avec moi, viens. Non, c'est bon, viens. T'as vu, moi, je suis grand et tout, on fait jamais les problèmes, j'ai pas envie de me frapper. Je vais pas te mentir, t'as vu, je suis pas trop me frapper, moi. Je suis pas un mec méchant, je suis pas un surhomme, je suis pas plus fort que qui que ce soit, tu vois. Genre, je suis plus fort que personne, tu vois. Genre juste mec, t'es là, tu me prends mes sous. Moi je suis un mec, je me laisse pas faire, tu vois, c'est tout, je me laisse pas faire. Tu viens. Tu me voles mes sous. Je viens vers toi, tu me prends pour un con. En fait, ce que j'aime pas, c'est que tu me prends pour un con. En plus d'être malhonnête, tu vois, ça se fait pas, mais bon, vas-y, on sait pas. Genre tu me prends les sous. Tant pis pour moi, j'ai perdu mes sous, mais je viens te voir vers toi. Tu me dis non, après je reviens encore te voir, je te crame, t'assumes pas sur le coup. Donc vas-y maintenant, tu me passes tes sous et tu te casses. On en reste là. Charles, on veut plus entendre parler de toi, je vais travailler. Je veux pas travailler, frère.
Si t'allais travailler, tu prendrais pas des selfies avec des Porsches. Vas-y, frère, fais ta route et... Putain, c'est n'importe quoi, ce mec. Ah, t'es là, gros. Vas-y, viens, on fait le tour, viens, on fait le tour. Prends les œufs. Moi, j'essaie de... Je voulais lui faire comprendre un petit peu que ça se fait pas, tu vois. Encore, genre, il trouve les billets, je sais pas, il les prend pour lui, tant pis pour moi, tu vois, j'ai perdu mes billets, mais... Mais là, franchement, mais là, il a été malhonnête jusqu'au bout, le mec, en fait. En fait, il a vu que je me laissais pas faire, tu vois. Du coup, il a plié, mais un mec qui se laisse un peu plus faire, ce serait, il aurait plié, tu vois, il aurait pris ses billets. Là, il est où, là? Ah, c'est quoi, gros, viens. Il est rentré, il a tourné. Viens. Les œufs périmés, hein, je précise, pour tous ceux qui se demanderaient. Il aurait juste pris les sous, j'aurais pas fait ça, tu vois, mais le mec, il va au bout, il est malhonnête jusqu'au bout, il est pas cool, franchement. S'il faut 200 euros, j'aurais pu être dans la misère, j'aurais pu en avoir besoin, il s'en foutait, tu vois. Le mec, il est en train de pisser. Vas-y. Essaye de te cacher. Merde. Vas-y, viens, gros. Viens. T'as oublié les sous, frère. T'as oublié les sous, frère. Vas-y, viens, on fait la paix, frère. On fait la paix, c'est bon, je viens, on fait la paix. Cavale. On n'a pas se plaindre, on récolte que ce que l'on sème. T'auras jamais d'enfant, même si t'as bu beaucoup de sperme. Merci de m'avoir épargné de ça. J'économise mon seum, moi j'ai la chance d'avoir la